Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Maintenant, nous allons faire un petit truc qu'on appelle la reprise en sous-œuvre. Ok? On va dire rapidement pourquoi on le fait. Parce que, déjà, premièrement, si par exemple nous voulons ajouter une autre extension, par exemple sur l'ancienne construction, voilà, il y a les éléments qu'on va faire forcément une reprise en sous-œuvre, ok? Il peut aussi être, on peut aussi pratiquer en fait cette méthode, par exemple, parce que je suis en train de citer cette méthode, pourquoi? Parce que je l'ai subi une fois et je l'ai fait. En fait, c'est un ami qui est tombé dans ça et je l'ai corrigé. C'est-à-dire, la reprise de sous-œuvre aussi, nous pouvons le faire, par exemple, vous calculez le bâtiment avec le béton 25, ok, 25 avec une résistance de 25 MPa. Maintenant, après, et que on peut renvoyer, c'est-à-dire l'équipe géotechnique pour aller faire pour faire le carottage. Maintenant, après, le laboratoire vous donne par exemple une résistance de 20 MPa ou bien inférieure à 20 MPa. Vous voyez, ça veut dire que quand on construisait, il y avait un très mauvais dosage. Du coup, il faut faire aussi une reprise en sous-œuvre. Donc, c'est-à-dire recalculer tout le bâtiment. Cette fois-ci, ça sera plus avec le béton 25, mais non, ça sera maintenant avec le béton 18, 20, par rapport à la résistance que le laboratoire a trouvée après avoir passé sur le chantier et fait le carottage. OK? Ça peut être aussi dû, par exemple, on calcule les études béton armé vous permettent de vous en donner des sections, par exemple, 20 carrés, 30 carrés ou quoi. Maintenant, arrivé sur le chantier, l'entrepreneur qui calcule ou bien qui réalise, voilà, parce qu'il veut beaucoup gagner, il diminue les sections sur chantier pour pouvoir faire ce qu'il veut au moment où c'est pas ça. Donc, dans ce cas, si nous repérons une telle erreur, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une reprise en sous-œuvre. OK? Donc, c'est un peu ça ce que j'ai cité. Maintenant, devant vous, vous avez un poteau que j'ai fait une reprise en sous-œuvre. Rapidement, je vous explique, ok? Déjà, ici, c'est une coupe, ok? En bleu, c'est l'ancienne semelle, ok? Ce qui est à l'intérieur, c'est l'ancien poteau en bleu. Donc, ancien poteau, ancienne semelle. Je fais un exemple rapidement. Ici, je coupe ici. Je considère que, ici, j'ai une poutre, ok? Avec retombée, avec une dalle, ok? Je vais mettre, par exemple, 40. Prenez l'exemple, hein? Considérez que ça, c'est... Voilà, c'est un poteau qui est là, ok? Même si c'est pas vraiment un poteau, ça peut être la mousse poteau, ok? Et ici c'est une dalle en fait, ok? Donc là c'est une dalle, ok? Voilà, considérez ça comme ça, ok? Juste vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, ok? Je vais mettre en rouge, c'est la limite de la dalle, en vert. Ok, ça c'est la limite de la dalle et la poutre est noyée. Il y a une bonne partie qui est dans cette dalle. Ok, maintenant nous voulons faire la reprise de sous-œuvre. Premièrement, après les calculs, certainement on va trouver une section, ok, qui va contrer toutes les charges après la descente de charge. Donc, après la descente de charge, l'ingénieur va proposer une section qui va contrer l'effort normal qui arrive au niveau de ce poteau, ok, et qui va jusqu'au niveau de la semelle. Donc, il y a eu modification du volume du béton de la semelle, donc modification de la section de la semelle et modification de la section du poteau. Ok, déjà, comment faire? Quelle sera la mise en œuvre? La mise en œuvre sur chantier, ok, déjà, premièrement, on va essayer de neutraliser d'abord ce poteau par rapport au plancher, c'est-à-dire neutraliser ce poteau pour ne plus qu'il puisse reprendre les charges et pour qu'on puisse travailler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre les étais, ok? Il faut mettre les étais. J'ai dit que ici, vous allez mettre par exemple les étais, ça dépend. Ça peut être les étais métalliques. Je vais mettre ça en quelle couleur là? De couleur jaune. OK? Ça, ce sont les étais. Vous allez mettre les étais, que ce soit même les espacements des étais de 1 mètre ou bien de 90. OK? Vous allez mettre des étais pour essayer de neutraliser. C'est-à-dire les étais seront posés sur ce dallage. OK? Je prends un exemple que ça, c'est le dallage. Hein? Considérez ça comme ça. Je prends un exemple que ça, c'est le dallage. Donc, les étais que nous allons mettre vont arriver au niveau soit de cette dalle, OK, pour soutenir la dalle et neutraliser, en fait, la charge de ce poteau.
Ok, déjà, maintenant, après, vous allez faire les fouilles. On va faire les fouilles à ce niveau, ok? Nous allons faire les fouilles avec, par exemple, les débords. On fait les fouilles tout autour de là, dans l'ancienne semelle qui est à l'intérieur, ok? Maintenant, on a deux possibilités, ok? La première possibilité, c'est de pouvoir casser, en fait, la semelle qui est ici et de pouvoir implanter la nouvelle semelle trouvée. Maintenant, la nouvelle semelle trouvée sera plantée au milieu de l'ancien poteau. Donc, l'axe sera calculé par rapport à l'ancien poteau. Donc, par rapport à l'ancien poteau que nous allons implanter la nouvelle semelle. OK? Soit vous cassez toute la semelle, vous implantez la nouvelle semelle avec la bonne section qui est ici. OK? Soit vous pouvez utiliser l'ancienne semelle. Mais je préfère beaucoup plus que vous pouvez casser parce qu'il n'y a pas assez de beau temps. Vous pouvez casser et reconstruire la semelle. OK? Une fois reconstruit la semelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser les attentes, ok? Laisser les attentes parce que la section a changé. La section est passée de 20 à 30. Donc, du coup, il y aura les attentes qui vont venir ici, que vous allez utiliser. Ok? Que vous allez utiliser. Maintenant, l'ancien poteau, je vous dis que l'ancien poteau, quand vous allez faire le scellement, ok? Donc, déjà, ici, je vous dis, quand vous allez couler le béton ici, OK? Il faut utiliser les adjuvants qui vont nous permettre d'améliorer l'accrochage. Donc, quand vous utilisez les adjuvants, ça va nous permettre d'améliorer l'accrochage. OK? Maintenant, on va... qu'est-ce qu'on va faire? On va saigner sur l'ancien poteau. OK? Saigner sur l'ancien poteau, par exemple, de 3 cm de part et d'autre, pour nous permettre de piquer carrément. OK? Et de faire un scellement ici. On peut utiliser même... les fils de 8, ok, qu'on va faire un scellement, c'est-à-dire qu'il va quitter ici, qu'il va rentrer, par exemple, à une certaine distance, mais cette fois-ci, on va utiliser, par exemple, le Sika, ok, le Sika qui est une colle, ou bien on va utiliser une autre qui est similaire, en fait, au Sika, ok. Donc, ici, pour l'ancien poteau, peut-être, on avait 4HA de 12, ici, cette fois-ci, nous nous retrouvons avec 8HA de 12 défilant. Avec, il faut ici, il faut utiliser les cadres de 8 parce que c'est un renforcement que vous êtes en train de faire. Donc, on utilise les cadres de 8. OK. Ça peut être sous forme de U. Ça dépend de vous. OK. Donc, ce que vous allez faire, vous allez changer la semelle, casser la semelle si et seulement si la section de la semelle change. Maintenant, si et seulement si la section de la semelle ne change pas, c'est-à-dire, par exemple, quand la personne qui construisait, il avait diminué la section du poteau, mais sans plutôt modifier la section de la semelle qui était calculée avant. Maintenant, après les nouveaux calculs, on se retrouve que on tombe sur la même section de la semelle. Dans ce cas, il faut faire un scellement de la semelle. On va pas casser la semelle, mais plutôt faire un scellement. C'est-à-dire, on peut prendre les armatures et les sceller dans cette semelle, tout en utilisant le Sika. C'est-à-dire, le Sika, c'est comme je vous dis que c'est la colle qu'on utilise pour pouvoir sceller, c'est-à-dire on a la possibilité de prendre les armatures qui sont ici, ok, et les sceller dans cette semelle à une certaine distance que l'ingénieur va vous donner. Par exemple, ça peut être 20, ok, qu'on va utiliser. Ça, j'ai juste mis au hasard. Ça peut être 20, ça peut être 30, juste ce que, ou bien, vous voyez, je prends par exemple 20 cm, ok. Donc, on va utiliser soit les birins pour pouvoir les sceller. Donc, ça, je vous dis, dans le cas où vous voulez être beaucoup plus économique, vous pouvez le faire. OK? Maintenant, si vous voulez casser la semelle aussi par rapport à votre économie, vous pouvez casser la semelle. OK? Jusqu'à ce que vous allez reconstruire. OK? Construire une nouvelle semelle qui va vous permettre de laisser les attentes. OK? Et répiquer. C'est-à-dire, vous allez carrément toucher cette partie. OK? Cette surface-là du poteau. Vous pouvez utiliser par exemple 3 cm pour pouvoir répliquer, comme j'ai dit, à l'intérieur. Ok, donc ici il va nous rester peut-être les armatures parce que si on avait utilisé, donc je vais enlever cette partie. Ok, je vais enlever cette partie, c'est cette partie qu'on a enlevée, donc on peut mettre ça de cette couleur. Je vais mettre par exemple ce qui, voilà. Très bien. Ce que j'ai mis en pointillé ici, c'est la partie à répliquer. C'est la surface à répliquer. OK? Donc, c'est la surface à répliquer ici. Vous voyez? Après, nous allons placer nos armatures. Maintenant, après, nous allons utiliser les fils de 8. OK? Pour pouvoir sceller. OK?
les filles de 8 dans l'ancien, en utilisant par exemple une distance de 10-15 cm avec le 6K, ok? Voilà, très bien. Pour permettre un très très bon scellement avec l'autre élément, c'est-à-dire le poteau, c'est-à-dire l'ancien et le nouveau. Vous voyez, on va bien sceller pour éviter qu'il y ait tout modification. C'est-à-dire, voilà ce qu'on peut faire sur le poteau. Donc, je vous ai dit deux méthodes. Vous pouvez casser la semelle, ok? Ou bien, si la section de la semelle est restée, par exemple, constante ou bien identique, la même section, vous n'êtes pas obligé de casser. Vous pouvez sceller carrément en utilisant, par exemple, le 6K, ok? Désolé. Et je vous ai dit qu'il faut sceller en utilisant, par exemple, les filles de 8 pour sceller carrément. Vous pouvez les utiliser comme ça, ok, sous forme de U, ok, qui vont vous permettre de piquer ça à l'intérieur de notre ancien poteau. Voilà, vous pouvez utiliser les birins ou bien vous pouvez utiliser quoi pour pouvoir sceller ça, ok. Mais comment faire après le coffrage? Donc ici, ok, il y aura un coffrage qu'on va poser, mais après le coffrage, pour par exemple, pour couler, vous pouvez utiliser la méthode de l'entonnoir, c'est-à-dire vous percez, c'est-à-dire du haut de la dalle, et vous mettez une cuvette, ok, qui sera un peu comme ça, donc comprenez un peu, qui sera un peu comme ça, en entonnoir comme ça que vous allez utiliser pour pouvoir couler le béton, ok, pour pouvoir couler le béton dans la nouvelle section de poteau. C'est-à-dire, nous pouvons avoir ça comme ça. OK? OK. Donc, vous allez couler, ça va rentrer, vous allez couler, vous allez couler. Vous pouvez l'utiliser sur deux points pour aller plus vite. OK? Vous pouvez l'utiliser sur deux points pour aller plus vite. Donc, vous allez couler, 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 couler. Voilà. Jusqu'à ce que, voilà, vous allez découvrir. Après, quand vous allez découvrir, la reprise est faite. Donc, maintenant, la reprise de bétonnage, il faudra que ce soit une opération qui est vraiment bien faite. Parce que la reprise des charges, carrément, ça dérange le béton. Mais je vous ai dit, pour faire tout ça, il faut placer les étais. Ça, je vous ai dit, pour le mode d'exécution, il faut placer les étais métalliques parfois, voilà, avec des espacements un peu réduits pour bien gérer le chargement, voilà, bien gérer la reprise des charges avec les étais. Et puis, le reste, voilà, après, vous finissez et puis vous allez enlever les étais et le poteau va reprendre son travail. Voilà, quant à moi, je vous dis ciao, ciao.